sur le pôle du comité martiniquais du tourisme depuis la semaine dernière, donc avec les différents exposants, l'espace, cet espace de commercialisation des produits, on a le chocolat, le stand cœur des îles, le magnifique chocolat de notre amie Janine, qui a été primée au Sagaz d'Or de Babette de Rosière, donc il y a quelques semaines. Deuxième prix de l'innovation pour la liqueur au chocolat, que l'on vous invite à découvrir. Et puis, ce qui a fait la renommée donc, de le cœur des îles, c'est ce fameux chocolat première communion. Tu connaissais ? Tout à fait. Chocolat première communion. Voilà, vous l'achetez, vous avez que le lait, plus que le lait à rajouter à la maison. Alors, le matin au petit-déj, l'après-midi pour un petit goûter au chocolat, et puis le soir avant de se coucher, avec un peu en beurre, de surcroît si on peut. Voilà, c'est très bon. On profite également pour saluer Doux Caprice pour toutes les saveurs avec les fruits et légumes. Voilà, donc les fruits de Martinique, revisité, retravaillé, donc la noix de coco, le melon, l'ananas, groseille, voilà, et les autres le fruits pays, donc la papaye, tout ça. Vous allez chez notre ami Pierre-Michel Doux Caprice, et vous pouvez donc déguster, et si ça vous plaît, bien évidemment, donc vous les procurez, ces bons produits. Nous avons également la conserverie créole. C'est cet exposant qui a fait le déplacement depuis la ville de Sainte-Marie en Martinique. On est sur le nord atlantique, hein, donc on est sur le nord de la Martinique, nord atlantique. Et les bons produits, là, on a le piment, on a plusieurs saveurs, on a le colombo de poulet, tout ça vendu en terrine, en boucal. Il y a plein de produits à découvrir, n'hésitez pas. Et puis juste derrière, on a également les confitures et les jus avec l'usine Royale. Basée sur quelle ville, Royale ? Saint-Pierre, non ? Non, c'est pas Saint-Pierre. Sainte-Marie. On n'est pas loin de Sainte-Marie, juste avant Le Lorrain. Non, avant Sainte-Marie, pas après. Dans ce sens-là, avant. Dans le Rouge. Non, avant Sainte-Marie. Voilà. Alors, on a le Robert, et puis après, on a Trinité. Trinité. Ah oui. Alors, c'est entre Trinité et le Robert, hein, pour l'usine, alors ce qu'on appelle l'usine Dénel. Une grande histoire également sur l'usine Dénel. La Dénel entre Trinité et le Gros Monde. Alors on a les jus, mais également les confitures. N'hésitez pas, vous pouvez même aller déguster sur le stand de Royal et sur le pôle du comité martiniquais du tourisme. On a un spécialiste donc, de la chambre de l'agriculture, secrétaire de l'OPAM, hein, c'est jeune. Agriculteur donc martiniquais, notre ami Guy-Albert Levostre qui est là. On a Mathias qui vous donne les infos sur la Martinique. On a également le jeu concours, 2 billets d'avion, vous inscrivez, 2 billets d'avion à gagner pour partir en Martinique avec le partenaire Corsair, et une semaine à l'hôtel Panoramique, un hôtel qui se trouve sur les abords de Trois-Îlets, donc au lieu du tourisme en Martinique. Et quand vous êtes à l'hôtel Panoramique, quand vous ouvrez votre chambre comme ça le matin, vous êtes sur votre véranda, qu'est-ce qu'on voit en face? La baie de Fort-de-France. Voilà pour vous ce qu'on vous propose sur ce salon international de l'agriculture pour cette 60e édition. Et puis on rappelle également qu'on a les rhums AOC. Alors je pourrais vous dire plein de choses sur le rhum. La Martinique, c'est le seul pays au monde à avoir un rhum labellisé. Donc le rhum AOC, combien de rhums AOC? Il y en a 13. Vendu dans plus de 180 pays dans le monde. Ça, c'est une exception. Et ça, c'est façonné donc par l'agriculture martiniquaise avec le Coderom qui est sur le Salon international de l'agriculture. Donc, n'hésitez pas. Les vrais rhums, tous les ponches. Et puis, particularité également pour les rhums Naisson, qui est un rhum donc, basé, la distillerie est basée donc, sur la ville du Carbet en Martinique, où on vous propose le seul rhum bio de la Martinique. Vous pouvez y aller le déguster sur le stand AOC Rhum de la Martinique avec le Cody Rhum. Voilà. Merci beaucoup. Au salon de l'agriculture pour la clôture, hein. Nous sommes en compagnie d'Elga. Bonjour. Bonjour Elga, pour Outre-mer Production Autrement. Exactement. Alors Elga, quelles sont exactement les productions d'Outre-mer Production autrement?
parce que le autrement, ça compte énormément. On est d'accord, ça fait toute la différence. Et sur ce marché, on est bien d'accord qu'il faut faire la différence. On est aujourd'hui au Salon de l'agriculture pour le 60e anniversaire, hein, 60e édition. On nous a demandé d'innover, donc on arrive sur le marché avec un Cubi qui s'appelle Cubidio. Pourquoi Cubidio? Qu'est-ce qui change des Cubi ordinaires? C'est un Cubi sur lequel nous avons deux robinets. Qui dit deux robinets, dit deux possibilités simultanées, à savoir qu'il est personnalisable et réutilisable. En d'autres termes, il est écologique. Deux poches à l'intérieur, deux poches de 2 litres, vous pouvez y mettre tant votre apéritif que votre digestif et tout ça dans le même Cubi. Vous pouvez le réutiliser et vous faire de super belles tables. Donc je vais vous montrer comment on l'utilise. Donc ça veut dire que le produit que tu as mis dedans, si il est fini, tu peux le rincer et remettre autre chose. Exactement, c'est un produit qu'on peut vraiment réutiliser et c'est ce qui fait la différence en fait. On a pensé à l'écologie. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Outremer Production Autrement, ceux qui connaissent les berlingots de sucre Madras, ben, tout ça c'est la même maison, tout ça c'est nous. Et on est dans le packaging. Donc la philosophie de Outremer Production Autrement, c'est de mettre des bons produits dans du beau. Comment valoriser son produit, mettre du bon dans du beau. Voilà, ça c'est notre philosophie. Alors aujourd'hui, pour ce salon, c'est ce qu'on présente, le fameux Cubidio. Je vais vous montrer comment il se monte, comment il se remplit. Il faut voir qu'on a un socle en plastique en haut et en bas. Pourquoi le plastique, sachant qu'on est dans l'écologie? Tout simplement, certains voudront mettre leur jus, leur planteur et le conserver au frais. Donc il permet de ne pas s'affaisser et vous pouvez mettre votre Cubi au frais. Il a été étudié pour. Je peux voir l'intérieur? Oui, je vais vous montrer. Donc à l'intérieur, on a deux poches comme ça. Ce sont deux poches de 2 litres. Et je vais vous montrer comment ça s'ouvre, comment on le recharge. En un geste, c'est fait. Wow. Il fallait y penser. Quand on nous a demandé d'innover, il fallait y penser. Donc, mais une fois que c'est clipsé, ça ne peut pas sortir. Ça ne peut pas sortir. Ça a été étudié pour. Hein. C'est vraiment étudié pour. On travaille avec une équipe de designers en Guadeloupe, hein, chez KSA. Donc on leur fait un coucou. Également avec l'artiste Goody qui nous a peint cet arbre à palabre sur lequel je me trouve en ce moment. Je ne sais pas si vous connaissez ce que signifie ou représente cet arbre à palabre en Afrique. L'arbre à palabre, oui. C'est un arbre sur lequel tout doit et tout peut se dire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je pars dans toutes les explications possibles. Donc, oui, je connais parce qu'il y en a un à Rivière-Pilote. D'accord. Et les jeunes se rassemblent là-bas souvent pour parler. Et voilà. Exactement, c'est sous cet arbre qu'on parle. C'est pour ça que je me trouve ici en ce moment pour discuter avec vous. Donc, il est utilisable combien de fois à peu près? Alors, rien n'est éternel, mais il faut savoir que vous pouvez l'utiliser à beaucoup de reprises. Et comme tout, prenez-en soin. Plus on prend soin de quelque chose, plus on peut le garder dans le temps. Voilà, il n'y a pas de recette miracle. Alors, y a-t-il un site où on peut les trouver, où on peut les commander? Alors, pour les commander, il faut prendre contact avec M. Serem Jean-Yves, qui a l'initiative de ce projet. D'accord? Donc, je vous donnerai ses coordonnées et son adresse mail. De façon à faire les commandes. Donc comme je vous l'ai dit précédemment, ce Cubi, ce qui est bien, c'est que pour tous les événements, que ce soit personnel, hein, que ce soit professionnel, vous pouvez l'avoir sur vos buffets. Anniversaire, mariage, réunion d'entreprise, tout, on le personnalise avec ce que vous souhaitez. On a rendu hommage à un très grand homme qui s'appelle Monsieur Yaya. Pour ceux qui le connaissent sous le nom Gérard Lauriette. Oui, et donc, tout à on fait. A fait des petits modèles comme ça. Ce sont des modèles où on peut mettre 2 litres avec un robinet. Et on rend hommage aux grands hommes qui ont marqué l'histoire de chez nous. C'est important. Et donc, ce Cubi est aussi un moyen de communication, puisque là-dessus, il y a la biographie de ce cher monsieur. Donc, ça nous permet d'apprendre et de se cultiver en même temps. Très belle initiative. Et en plus, ça sert de mémorial. Exactement. C'est vraiment bien. C'est ça. C'est vraiment génial. Belle conception. Oui. Donc un grand bravo à M. Serem, hein, M. Serem Jean-Yves, qui a innové
pour le salon de l'agriculture et on reviendra pour vous présenter autre chose. Mais n'oubliez pas, Outre-mer Production Autrement, c'est valoriser son produit, c'est mettre du bon dans du beau. Voilà. Tout à fait. Et il est possible de l'avoir sur la Guadeloupe, Martinique, Guyane. Partout. Je vous donnerai hors antenne les coordonnées de ce monsieur et vous prendrez contact avec lui pour toutes vos commandes. Voilà. Eh bien, je te remercie beaucoup. Merci bien, c'est moi. Et bonne fin de salon. Merci pour tout. Au plaisir. La cannelle de quel endroit ça? La cannelle de Mayol. Ah, elle est bien, hein? Oui. Ça sent fort? Ah oui. Vous venez de Mayotte? Oui, on est venu de Mayotte. Ça fait combien de kilomètres de Paris ça? Oui, on est venu de Mayotte. Là, on est à Paris. Et oui, on est venu juste pour le salon. Donc vous avez quoi comme produit ici? Tout ce qu'on trouve à Mayotte? Oui, on avait beaucoup de produits, mais c'est déjà terminé. Ce qui reste, c'est le gingembre, le curcuma et quelques bâtons de cannelle. Mais on avait des poivres et des poules de girofle, mais c'est déjà terminé. Alors, vous êtes satisfait du salon ou pas? Si. Ça permet aux gens de connaître le Mayotte et de savoir tout ce qu'on peut trouver là-bas. Ah oui, oui, oui. C'est une belle chose, hein? Ah oui. Les gens sont très contents du salon, en tout cas. Oui, oui, oui. Mais cette année, on m'a dit qu'il n'y avait pas beaucoup de monde depuis l'ouverture. Mais à partir d'hier, ça a commencé à venir beaucoup. Ah oui, de oui. Monde. Oui. Oui, parce qu'il y a des gens qui, maintenant, sur Paris, il y a des entreprises qui ne travaillent que 4 jours. Oh, oui, oui. Et donc après, les 3 jours de jour, ils ont le temps libre. Mmh. Très bien, ils peuvent venir. Ah oui. Un avantage. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Hein. Ok, merci. Je vous regarde ce que vous avez. Ok, merci à vous aussi. Bonjour, bonjour. Comment ça va? Bonjour, monsieur. Bonjour, comment allez-vous? Comment allez-vous? Ça va très bien. Bien. Yeah. Alors, vous êtes satisfait du salon? Double tranchant. Les deux derniers jours sont très bien, mais les débuts ont été extrêmement difficiles. Le manque de monde. Je pense qu'on n'a pas la même fréquentation que les années précédentes et on n'a pas exactement le même public. Il y a beaucoup de publics, de jeunes qui viennent pour boire et tout ça, mais ce n'est pas forcément des consommateurs, des gens qui vont acheter des produits. Il y en a beaucoup. Voilà, ça c'est, je pense qu'il faut réduire un peu. Parce que ça crée des histoires, ça crée des problèmes d'agression, d'agressivité. Oui, c'est ce qu'on m'a dit. Et je pense que le comité d'organisation devrait regarder un peu, peut-être tout ce côté-là, le mettre à un autre endroit. Parce qu'effectivement, ça ramène du flux, mais les gens sont indisciplinés. Ils boivent, ils bousculent, ils s'appuient sur nos stands et c'est impossible de travailler. Beaucoup d'affluence, ça fait du chiffre. Parce qu'on parle beaucoup de chiffres dans les médias, qu'on doit dépasser les objectifs de 600 000 visiteurs, c'est très bien. Mais il faut choisir son public. Ça ne sert à rien que les enfants et les femmes ne puissent pas venir à des journées d'affluence comme samedi, dimanche, parce qu'il y a des risques d'agression. Moi, je trouve qu'il faut être un peu responsable. Ce n'est pas responsable du tout. J'espère que cette information, mon témoignage sera relayé. Mais il faut mettre un peu de discipline dans le salon. Il n'y a pas de discipline. C'est vrai. Et beaucoup d'exposants l'ont dit la même chose. Voilà. Hier, ici, c'était infernal. Moi, je rentre, quand on termine, quand on part, j'avais ma fille. Ma fille a été carrément écrasée. Et quand je demande à la personne attention, la personne me fait ça. Oui, on était avec une femme enceinte ici qui est venue. Et elle accouche dans 2 mois. Hier, c'est difficile de sortir avec elle. Donc, c'est pas sérieux. Il faut mettre plus de discipline. On a besoin aussi d'avoir de l'affluence, d'avoir des gens qui viennent déguster et consommer. Mais tous ces consommateurs d'alcool qui ne sont pas capables de gérer leur débit de boisson, qui ne sont pas capables de se maîtriser, je pense qu'il faut les mettre ailleurs. Il faut peut-être privilégier des ventes avec dégustation ici, mais consommation ailleurs. Un endroit au rez-de-chaussée où c'est plus facile pour eux aussi, parce que c'est mettre en danger les personnes. Moi, je vois des gens qui sortent d'ici, qui trébuchent et qui tombent sur les escalators. Oui, oui, oui. Ça, c'est dangereux. Donc, il faut peut-être mettre ça en bas
un endroit, que ce soit un bar, les gens consomment autant qu'ils veulent, et mettre en place une assistance peut-être. Sinon carrément contrôler, mais là mais c'est pas contrôlé. Mais réduire un peu sur... Voilà, mais il ne faut pas les mettre au premier étage, voilà, parce que ça c'est un problème. Moi c'est ça qui me tue. Cette année je trouve ça dommage, il y a moins de familles. Les années précédentes on avait beaucoup de familles, j'espère qu'aujourd'hui dimanche il y aura beaucoup de familles et des enfants. Ben, imaginez que quelqu'un qui vient avec des enfants et qui se retrouve dans ce risque-là, il ne reviendra plus. Ouais. Donc c'est quelque chose un peu, il ne faut pas être dans la politique du chiffre. Moi je ne suis pas d'accord, c'est bien hein, d'avoir autant de visiteurs, mais il faut être dans une politique de chiffre. Avec un public visé qui vient pour quelque chose de manière assez intelligente, en toute sécurité. Malheureusement, l'homme de nos jours, il n'y a que ça qui compte. Hein. Les chiffres, la vitesse, aller très vite, non c'est... Parce que le souci, c'est que même la presse aussi s'en fait l'écho aussi. La presse parle beaucoup de chiffres. Même la presse, les journalistes devraient avoir un côté critique. Essayer de regarder les choses en profondeur. Ben, bien sûr, ben, voilà. Eh ben, merci pour votre avis. Je vous en prie. Sur 60e édition. Et avec moi, j'ai monsieur... Losampio Carlos. Monsieur Losampio, préparateur du Mani de Tahiti. De Tahiti. De Tahiti, oui. Voilà, donc j'ai vu que vous êtes médaillé 3 fois d'affilée. Oui. C'est impressionnant. Oui, c'est impressionnant, je suis content. Oui. Ça prouve que vous faites un travail de qualité depuis de longues années. Oui, parce qu'il faut de l'expérience. Et comme moi, je suis troisième génération, il y a une technique aussi à faire. Souvent aussi les commandes de l'extérieur aussi. Plus il y a beaucoup de commandes, il y en a qui veulent pas les mêmes parfums. Ils veulent ça change vraiment les arômes. C'est pas là qu'on a poussé aussi de la recherche, ce qu'ils veulent de l'extérieur. Ça fait combien de générations de vanille chez vous là? Moi je suis la troisième génération. Troisième génération. Grand-père, papa et moi. Là j'ai préparé la quatrième génération. C'est prêt. Non, c'est bien. Et vous faites une vanille de qualité parce que pour obtenir 3 prix d'affilée, 2022, 2023, 2024, il y a une continuité quoi. Oui. C'est bien. Donc là déjà vous préparez 2025. Voilà, voilà. Donc on a préparé 2025. Normalement c'est participé. Je crois que je suis la première Polynésie qui a participé en 1997. Ici, moi bon, je ne connais pas le salon, on m'a demandé. J'ai participé, j'ai eu une médaille d'argent à l'époque. Ah, c'est bien. Oui, à l'époque. Et votre exploitation se trouve où exactement? L'exploitation se trouve où? Oh, à Taha. Taha. Oui, l'île Vanille. Voilà. C'est dans le sud ou le nord? C'est dans le nord. Le nord de Tahiti. C'est bien. En tout cas, félicitations. Hein, tout le monde ne peut pas avoir 3 médailles d'affilée. Hein, je vais essayer de faire pour l'année prochaine. L'année prochaine aussi. Voilà, voilà. Donc j'espère que je serai là encore pour voir la quatrième d'affilée. Non, c'est pour avoir l'excellence. Oui, c'est l'excellence. Bah oui, mais il aura. En tout cas, merci beaucoup. Marou. Et puis continuez ainsi. Donc c'est la liqueur de Saint-Martin que vous représentez. Oui, je suis Madame Maculus Maria, on vient de la île de Saint-Martin et on représente les Guava Berry. Guava Berry c'est un bébé qui est né à Saint-Martin. Avec ça on fait des liqueurs, on fait des sauces pimentées et on fait de la confiture. Ça ressemble à quoi? Et ça se ressemble à comme un cassis. Ah oui. Un raisin, mais c'est le goût, c'est très différent. Et c'est sucré? C'est sucré, et boisé. Ça pousse comment? Ça pousse à la montagne. C'est un arbre ou bien c'est... C'est un arbre, c'est pas trop grand. Ça pousse à la montagne, elle a mal le soleil aussi. Ouais. Ça c'est un baie qui vient une fois pour l'année. Ah, une seule fois ça pousse? Une seule fois pour l'année. Une seule saison? Oui. Dans l'année? Pour de octobre, novembre, décembre. Après ça passe et ça revient l'année prochaine. Ah ok, et ça dure combien de temps la saison? La saison 3 mois. 3 mois. Et après ça disparaît? C'est pas. C'est impressionnant. Et vous êtes situé où à Saint-Martin? On est à Colombier. Ça Colombier. C'est le quartier, ça c'est le quartier de Saint-Martin. Colombier. D'accord. C'est vous là qu'on laisser, a. Nous laisser un numéro de téléphone. Oui, je te donne ma carte. Ouais. Merci. Comme ça c'est. Si vous voulez venir un jour, il y en a la boutique à Marigot. Super bon. Excellent. Excellent. C'est bon, ça, hein? Oui. La macération de ça, ça fait un an au minimum. On a une collection de 2 ans et il y en a une autre de 5 ans. Et c'est du rhum de Saint-Martin aussi ou du rhum non, de Guadeloupe? Non, ça c'est rhum de Guadeloupe. C'est bien. Super bon.
Et c'est une production de famille ou bien... C'est une fabrication de famille, ouais. En tout cas, c'est très bien. Merci. Donc, vous n'avez pas d'adresse Instagram? Instagram, Facebook. Vous pouvez donner, Yeah. On a l'Instagram, on a le Facebook, il y en a Guava Berry, Colombia Tradition. D'accord. Ouais. Bon, vous pouvez trouver là. Ouais. Merci. Ok. Alors, comment ça va? Très bien, Eddie. Ça va bien? Ouais. Voilà. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu manges comme ça aujourd'hui? Alors, un voyage culinaire en Nouvelle-Calédonie. Ah là 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 là, c'est quoi? Alors, ça s'appelle? Alors, c'est... Je ne sais pas le prénom du... C'est un... Voilà, sashimi du thon, ok? C'est ouais. La petite tranche que vous avez là. Ouais, ouais, ouais. Avec sauce banane poingo, avec recouvert d'une couche de miel. Oh là 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 là. Quand tu as pris ça, tu... Alors, je ne l'ai pas goûté, mais quand j'ai entendu tout ce qu'il y a à l'intérieur, j'ai dit, oh, ça vaut ça, le coup. Ça vaut le coup. Ouais, parce que les saveurs vont tout de suite m'emporter, peut-être. Il n'y a pas de souci. Ok.
Monsieur, attention monsieur, c'est pas ma louloute, hein. C'est ma rourou qui veut dire merci, monsieur, dame. Merci beaucoup. Et maintenant, tout le monde avec moi, on va dire Manava. Manava. Messieurs, dames, Manava qui veut dire la bienvenue. Mais on peut dire aussi Maeva. Maeva, c'est la bienvenue aussi. Mais quand vous vous adressez à un roi ou un président, on dit Maeva. Et maintenant, tout le monde, Yaora. Yaora. Très bien, messieurs, dames, Yaora qui veut dire bonjour ou bonsoir. Et maintenant, Arofa. Arofa. Messieurs, dames, Arofa qui veut dire tout simplement amitié. Amitié. Et continuons avec Wahiti. T'es mal. Ça veut dire le soleil se lève. Oh,
applaudissez très très fort nos danseuses. Mesdames, messieurs, après cette danse, nous allons partir dans les îles Marquises. Et oui, messieurs, dames, les îles Marquises, chers à Jacques Brel et le peintre Gauguin, on va accueillir notre danseur de Haka Marquisien. Allez, on va applaudir notre danseur de Haka Marquisien. Maintenant, messieurs, dames, le haka qui va suivre, c'est un haka des îles Tuamotu. Celui que vous avez lu au début, c'est haka des îles Marquises. Et maintenant, haka des Tuamotu. Allez dans les mains et qui m'y en a oui et y est au fond au hio et les guerriers qui tapent tout à tout qui nous a car il va y retourner le commun, voilà, il y a déjà un. Allez, on applaudit ce jeune homme. Voilà, il est courageux. Voilà. Allez, 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 messieurs, venez, vous allez voir, c'est très, très simple. Non, messieurs, restez là. Allez, 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 c'est très simple, c'est très simple, allez, venez. Voilà, allez, on tient, voilà, très bien. Oh,
Allez, on applaudit notre nouvelle équipe d'Aloha Tahiti Show. C'est pas fini. Voilà, restez là. Mais on va commencer, messieurs, dames, on va commencer cette danse d'abord par les messieurs. Monsieur, avancez, va au milieu. Allez, au milieu. Voilà. Voilà, non, face à nous. Regardez, voilà, bien. Les talons joints, monsieur. On va montrer à tous les messieurs qui se trouvent ici à côté de nous comment le Tahitien danse le Holy Tahiti, d'accord? D'abord, les talons joints. Voilà, très bien. Maintenant, monsieur, les bras en l'air. Oh les mains! Oh les mains, monsieur, regardez-moi. Oh les mains, plus haut. Voilà. Et maintenant, monsieur, sortez le portefeuille. Non, non, fléchissez un petit peu les jambes. Voilà, très bien. Monsieur, c'est très, très, très simple pour danser le Holy Tahiti. Les hommes, monsieur, imaginez-vous, monsieur, que vous avez une noix de coco entre les jambes. Voilà. Ah, on les applaudit, ces deux-là. Allez, on les met, messieurs. Espacez-vous, monsieur. Espacez-vous, il y a de la place. Voilà. Allez, on les met. Voilà, fléchissez les jambes. Voilà, comme je disais, imaginez-vous, messieurs, que vous avez une noix de coco entre les jambes. Et vous allez écraser la noix de coco. Allez, on écrase la noix de coco. On écrase la noix de coco. On écrase la noix de coco, la noix de coco. On écrase la noix de coco. On écrase la noix de coco. Mais attention, messieurs, c'est la noix de coco qu'il faut écraser et pas les cacahuètes là, hein, d'accord? Allez, tout le monde, on va taper dans les mains, on les encourage, allez! On écrase la noix de coco. On écrase la noix de coco. On écrase la noix de coco. Et on accélère. On écrase la noix de coco. Allez, messieurs, plus vite! Ils sont fantastiques, on les applaudit très très fort s'il vous plaît. Merci messieurs, Marourou. Allez, encore une fois, messieurs, dames, à Marourou. Voilà. Ah, non, non, madame, là, voilà, levez la tête, fléchissez les jambes, regardez-moi, et maintenant, mesdames, souriez. Voilà, mesdames, imaginez-vous le matin, quand vous vous levez, vous allez... Salon de l'agriculture. Nous sommes en présence de mademoiselle Noémie ou madame. Ferras. Madame. Non, je suis créatrice des rhums arrangés Caribbean Cocktail à Montpellier. Donc pour la petite histoire, je suis originaire de la Guadeloupe. C'est une recette qui me vient de ma grand-mère guadeloupéenne. Et je travaille avec du rhum blanc agricole de la Martinique. Voilà. Ah. Bon, alors pour quelle raison alors? Alors, il faut pas le dire aux Martiniquais, hein, mais c'est qu'en Guadeloupe, notre rhum est tellement bon qu'on peut pas l'arranger. Donc je prends du rhum blanc agricole de la Martinique. Oui, c'est une formule, quoi. Oui, en effet. Bon, alors, qu'est-ce que vous avez comme rhum arrangé à me présenter? En saveur, j'ai banane flambée fève tonka. Donc sur cette saveur, on sera plutôt rond, plutôt gourmand, avec le côté boisé, vanillé de la fève tonka. La fève tonka. La fève tonka. Ça fait la deuxième personne que je vois qui utilise le tonka. Et c'est sympa, c'est utilisé beaucoup en pâtisserie, donc ça relève le goût. Après, j'ai le fraise façon mojito, fraise, menthe, citron vert, avec des fraises de la région Occitanie. Donc ça fait partie de ma gamme locale, car je produis à Montpellier. Et l'ananas flambé citron vert avec l'ananas Victoria de la Réunion, où dans celui-ci, on est un peu comme un petit ponche, parce qu'on est très sec en bouche, et sur tous mes rhums arrangés, on sera à 34 degrés. D'accord. C'est vraiment bien. Alors, tu as comme gamme, tu as trois parfums? Après, j'ai d'autres parfums. J'ai menthe passion gingembre, passion poivre de Timut. J'ai également du fruit rouge basilic en gamme locale. J'ai noix de coco vanille aussi, qui a été primée argent au concours international de Lyon l'année dernière. Et j'ai litchi, hibiscus et café noisette en édition limitée. Alors, tu t'es lancé dans cette aventure, ouais. En 2018. En 2018. Ouais, je rentre dans ma sixième année.
Et tu fais tout à Montpellier? Tout à Montpellier, tout artisanalement, à la main, ouais. T'as pas trop de difficultés à faire venir le rhum? Alors le rhum, non, du coup j'ai du rhum en grande quantité, c'est, je suis juste sur du rhum agricole et pas forcément de la AOC maintenant, parce que depuis les cyclones d'il y a 2 ans, c'est un peu plus compliqué en termes de production, en termes d'exportation, mais c'est bon. Tout va bien alors? Tout va bien alors. Alors si tu devrais donner ton adresse email ou bien... Alors, au niveau Instagram ou au niveau Instagram, téléphone, c'est Caribbean Cocktail, donc Caribbean-8 Cocktail. Vous avez le site internet www.caribbeancocktail.com également. D'accord. Voilà. Et donc tu fais des expéditions un peu sur la France ou bien sur toute... Alors au niveau de la France, moi je suis revendue chez des cavistes et épiceries fines. Donc au niveau national, la Google Map avec les points de revente est présente sur mon site internet. Vous pourrez retrouver vraiment toutes les adresses. C'est parfait. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Je suis le créateur de la marque Onsi Toussaint. Onsi Toussaint, une petite douceur. Je viens de la Guadeloupe. Et par rapport à cette marque-là, j'ai voulu exprimer le savoir-faire antillais, c'est-à-dire mettre en avant les produits terroirs, ce qu'on fait aux Antilles, et un rhum d'exception. Aussi bien guadeloupéen que martiniquais. Dès qu'il est bon, exprimé avec mes produits, moi j'utilise. Le but, c'est quoi? C'est de mettre en avant les saveurs de mon île. Par des parfums, des arômes assez puissants. J'aime le goût de la matière brute. Donc du coup, mon fruit de la passion, par exemple, il vient de Guadeloupe. Je travaille avec des producteurs de là-bas. Je me fournis mon fruit de la passion. Je retravaille ici. Et d'ailleurs, je propose aux gens. Pour nous juger la chance, c'est multimédaillé. Il a eu 2 médailles. Une médaille d'or en 2020, une médaille d'argent cette année. Ça veut dire que ça plaît et qu'on travaille plaît. Sachant qu'en plus... Paye. Le travail paye, exactement. Sachant qu'en plus, à la base, je n'étais pas destiné à ça en fait, puisque je ne buvais pas d'alcool quand je suis parti de Guadeloupe. Fini mes études, j'avais un projet de créer une entreprise d'aquaculture à la base pour sauver le littoral antillais, qui est à force de pêcher la palourde, et bien on détache les algues en fait, et je vais travailler des trucs sur la reproduction de la palourde. J'ai fait un stage en biologie marine sur ça, j'ai voulu créer ça, mais mon projet n'était pas viable, donc je suis resté en France travailler. Et en travaillant chez manager, je ferai mes équipes de planteurs. À chaque fois, la même question. On me disait, Steve, est-ce qu'on peut te l'acheter? Je dis, non, je ne peux pas, les gars. C'est un petit produit que je vous fais pour la fin d'année, pour vous récompenser de ce que vous avez fait comme travail, comme effort. Ça aura plus de prix et plus de poids la prochaine fois que vous allez goûter. Donc, vous allez encore plus travailler l'année prochaine. Mais ils disent, ouais, mais on en veut d'autres, on en veut d'autres. Et en 2015, la énième demande m'a fait travailler sur le sujet. Et sorti mon planteur prestige, premier produit de la marque, et ça fait un carton. Et du coup j'ai dit, bon, il y a un truc à jouer là-dedans. Et du coup j'ai cherché des recettes, j'ai travaillé des recettes. Sachant que moi j'ai une politique, c'est que je n'impose pas le rhum à mes recettes. C'est mes recettes qui choisissent le rhum qui va le mieux avec eux. Donc choisir des rhums de quoi part, ce n'est que du rhum agricole de toute façon. Parce que pour moi c'est le meilleur. Et derrière, le but c'est vraiment de, comment dire, mettre en avant ça, cette aromatique, cette puissance aromatique, ce terroir qu'on a sublimé en fait mes recettes avec ces rhums agricoles. Et ça marche très bien en fait. Du coup, j'ai juste 3 rhums différents de Guadeloupe aujourd'hui et ça match. Oui. Et je suis très content. Et aujourd'hui, dans ta gamme, tu as combien de produits? Aujourd'hui, j'en ai 12, dont un que j'ai créé pour la Belgique. C'est un rhum à la bière, c'est le dernier cri là, un rhum à la bière. Ah, c'est toi qui as créé ça alors? Donc alors, je ne sais pas si je suis le seul à l'avoir créé, je sais que ça peut-être existe ailleurs. Oui, j'ai entendu parler. Mais en tout cas, j'en ai sorti un pour la Belgique, en travaillant la bière et en faisant la macération de houblon aussi. Question d'équilibre. Et le but, c'est d'avoir une passerelle entre les deux boissons. Donc les gens qui sont à la bière qui veulent passer au rhum, eh bien, ils peuvent y passer. Et réciproquement, rhum à la bière, ils peuvent y passer. Moi, je n'aime pas la bière à la base, mais j'aime bien mon petit rhum à la bière, ça passe bien. Du coup, ça peut me permettre de passer à la bière 1C4. On a voilà. Ramené sur le stand. Comment? Non, on a ramené sur le stand. Je l'ai sur le stand, je l'ai créé pour la Belgique à la base celui-là. Et là, ben, je vais vous montrer la bouteille. Hein. Ouais. Donc, j'ai créé ça pour la Belgique à la base. Donc, petit roman à la bière pour la Belgique avec une couleur belge. Je distribue en Belgique et là, j'ai sorti une marque avec. J'ai sorti une référence avec la France. Avec un brasseur français qui est à Cher, près de mon entrepôt, pas loin, et qui fait ce qu'on appelle la bière respect, qui a des notes de fruits exotiques, qui est merveilleuse. Et du coup, cette bière-là va être l'égérie de la,
du roman de la bière pour la France. C'est bien ça. Donc voilà. Dans la gamme de tes ponches. Alors, j'ai le planteur prestige, j'ai le Romo Piment, médaillé d'or en 2023 et médaillé d'argent cette année. J'ai le fruit de la passion, le maracuja, médaillé d'or en 2020 et médaillé d'argent cette année. J'ai le planteur prestige, médaillé d'or en 2019, médaillé de bronze cette année. J'ai un rhum au gingembre. J'ai aussi deux crèmes de rhum à la pistache et à la cacahuète qui font un carton aussi. Les gens ne s'attendent pas à ça et c'est crémeux, c'est très dessert, donc ils sont fans. J'ai aussi un rhum à la vanille. Alors la vanille, c'est une longue histoire parce que la vanille, on est sur toutes les vanilles du monde. C'est-à-dire que chaque année, je sors deux batchs de vanille. La première, c'était une Popona. La seconde actuelle, c'est une Citetra. La prochaine, c'est une Scarifiée de Guadeloupe. Et je vais faire toutes les vanilles du monde avec la même recette pour qu'on puisse avoir les arômes différents qu'on peut avoir à la vanille. Parce que c'est tellement varié, il y en a tellement. Il y a tellement de saveurs à faire découvrir que je trouve ça sympa de faire découvrir toutes les vanilles par rapport à mes arômes. Donc je travaille sur le sujet. J'ai un gingembre du Pérou, bio du Pérou, qui est explosif en gingembre, avec un petit côté piquant, bien gingembre. J'ai le piment végétarien, qui fait une tuerie médaille d'or là. Et ça, c'est voilà, j'ai une gamme assez riche et je suis très content en fait. Eh bien, c'est parfait alors. Alors, s'il y avait un numéro de téléphone à donner ou bien un Instagram ou. Alors, on va sur Instagram, Antidoucet, O-N-T-I-D-O-U-S-E. C'est pas un C, c'est pas la même chose. Donc, bien un S et derrière, c'est. Vous me posez des questions, je vous répondrai sans faute. Donc, avec grand plaisir. Et tu étais où en Guadeloupe? Alors en Guadeloupe, je suis de Mornalo, moi. Le pays du crabe. Comment? Le pays du crabe. Exactement. Alors Mornalo, c'est connu pour le crabe, hein, bien sûr. Mais on a beaucoup de sportifs aussi, hein, Gloma, oui, etc. Donc on a eu beaucoup de sportifs. On a beaucoup de. C'est une terre de champions. Et je suis content d'être là et de représenter mon île, ma commune, Mornalo, à qui je fais un concours. Et voilà quoi. Je te remercie. Merci. C'est du locavorisme. Alors ça punch, ça punch, ça punch. Ouais. Alors. Il nous filme. Ah. On est là, on est présent. On est là, on est là. C'est quel jeu? Ouais, la télé. Bienvenue. Fais le cul sec. Regardez au saloon. Là tu le vois. Un tour de magie. Là tu le vois. On le voit plus. Là tu le vois plus. Il est fort, hein. Il est magicien celui-là. Maître Pico, le mec à tout. Alors, il est comment, monsieur Lebronche? Moi, malheureusement, je suis sans alcool, là. Ah, c'est aussi bon. Ah, c'est ça.
Oh, les acras, les acras de Chirico. Ah là 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 là, quel régal. Bonjour la patronne. Comment ça va? Ça va et toi? Ça va. Là, les petites femmes vertes travaillent bien, hein? Ouais. Ça, c'est la glace. La glace des amis. Là, vous avez des sorbets. Vous avez également. Je vois que vous êtes debout devant ce magnifique bulletin d'honneur. Je peux pas dire table d'honneur. Moi, c'est l'auteur de l'école. Le bon table d'honneur où tu fais 20 sur 20 dictées. Absolument. Là, il y a un tableau d'honneur de la médaille d'or. Absolument. Pas de gain fort dicté. À qu'à dire, pas de gain fort dicté. Mais. Passion, moi, était en notre côté. Passion, c'était faire du rhum. Et manger. Et manger. Donc là, et là, là où vous sentiez que il y a pas un bagage qui a revenu de droit. Exactement. Là, c'est le travail acharné, passionné. 12 années de labeur. De labeur. Et là, médaille du concours général agricole 2024. Conseil Grand Bonheur a dit, frappez-moi des mains. Monsieur Osier, merci pour le véritable travail que vous faites. C'est important de le souligner. Vous mettez en valeur les artisans, pas seulement moi, mais l'ensemble des artisans de la communauté. Et ça, il faut aussi qu'on dise, il faut aussi le dire, quand quelqu'un fait un travail magnifique, parce que ça c'est important, mais celui qui tient la caméra pour donner l'information, c'est aussi très important. Donc on va dire, et comme on dit chez nous, c'est un lendemain qu'à laver un lendemain. Exactement, un lendemain qu'à laver l'autre. Voilà, donc pas de problème. Avec plaisir. Ben, vous pouvez le féliciter ce monsieur. Hein. Vous pouvez le féliciter. Félicitez-le. Voilà, félicitez-le s'il vous plaît. Merci beaucoup. Allez-y, vous le devant la caméra. Bon appétit. Merci, félicitations monsieur. Ça fait le sang là, Thank you.
Maou. Laissez-la, me suivez-nous, on va à l'autre côté. Et là, on va vous apprendre comment il faut danser la danse haïtienne. J'aimerais qu'on fasse un maximum de bruit pour la troupe Aloha Tahiti Show, s'il vous plaît. Allez, Aloha Tahiti, bip bip. Maruru, messieurs dames, merci beaucoup. Pour ceux et celles qui souhaitent, vous pouvez prendre des photos avec nos artistes. Voilà, prenez le temps sur, eh bien, tout simplement notre espace Polynésie française. Oui, Olita. Alors, comment ça se passe? Ça se passe bien, c'est le dernier jour, ça va. Ça va. C'était ardu, chaud hier, c'était hard même hier. Mais ça va aujourd'hui. Mais c'est bien parti là? Oui, c'est bien parti aujourd'hui, il n'y a pas de souci. Normal, il bon. Ouais. Là, bah, il bon. Alors, vous avez été ici sur le stand là? Très bien, ouais. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire? Très bien, il est pimenté, il est bon, très bien. C'est bon, c'est quoi que vous avez pris? J'ai pris... Bourguet et saucisse. Voilà. Et vous avez pris quoi, vous? Végétarien. Ah, ok. Moi, là, hier, j'ai pris un poulet boucané. Avec le piment, dis donc. Mais là, il est très bon, hein. Le régal. Ouais. Vous allez donner bah, beaucoup, hein, monsieur. Merci, bah, et bon. Alors, monsieur Patio, vous faites goûter quoi? C'est bon, madame? Oui, attendez. C'est bon, mais tenez, c'est bon, c'est pour retirer. Je vous envoie un reçu par SMS si vous voulez. Alors, je vous envoie déguster le magret de canard séché, fumé 28 jours de Maison La Fumée. Un magret de canard qu'on travaille minutieusement avec des épices de la Guadeloupe, cueillies, séchées et fumées. Attends. Non, vas-y, mais je dois envoyer la facture à la dame. On va. Alors, je vais avoir l'avis de. D'accord. De mesdames. Écoutez, je viens de goûter le magret de canard, c'est excellent. Je conseille à tout le monde de passer au stand La Maison La Fumée pour venir déguster le magret de canard fumé et l'éponge fumée que moi je ne connaissais pas. C'est vraiment une découverte. Et franchement, ça vaut le coup. J'invite tout le monde à venir goûter. Chacun se fera son avis. Mais ça m'étonnerait que vous ne partiez pas avec un éponge. Il y en a 1, 2, 3, 4, je crois 5. Sur les 5, ça m'étonnerait que vous ne partiez pas avec une petite bouteille. Comme je dis, moi, j'ai goûté une fois, c'était au Mondial du Rhum, et j'ai adopté. Et depuis, je suis maison fumée. Ah. Alors donc, vous voyez, c'est pas pour vous faire de la pub, mais c'est vrai que tout le monde, c'est la surprise et c'est impressionnant. Et vous, vous êtes... Moi, je suis reparti, vous voyez, je repars avec un jambon fumé, un canard fumé, et j'ai pris le ponche ananas fumé. Aïe. Alors, c'est quoi, vous allez vous fumer. J'ai flashé. Donc voilà. Donc j'incite tout le monde à venir au stand Maison La Fumée, faire son avis, goûter, et ça m'étonnerait que vous ne partiez pas avec un produit. Merci madame. Surprise. Alors madame, qu'est-ce que vous me racontez? Alors, qu'est-ce que je peux dire? Effectivement, j'ai goûté un magret de canard fumé riche en goût. J'ai passé un super moment. Effectivement, le magret de canard, on peut effectivement le goûter ailleurs. Mais là, on sent vraiment effectivement une petite connotation de la Guadeloupe, des épices, quelque chose de fait avec amour. Donc voilà, c'est tout ce que je peux dire. Et est-ce que vous avez eu l'occasion de goûter un peu le rhum qui va avec? Alors j'ai goûté effectivement des choses qui ont, je vais être honnête, hein, modifié mes habitudes. Mais j'ai retenu effectivement le punch maracuja.
que j'apprécie parce qu'en fait, quand on le goûte, on sent qu'effectivement, nous avons 80% de fruits et 20% d'alcool. Voilà, donc c'est un punch très riche. Voilà, tout simplement. Eh bien, c'est parfait, merci. Donc, monsieur Patureau, vous voyez que hein, vous avez bien fait de venir au Salon d'agriculture. Ah ben et oui, on sait que vous avez retrouvé également à la Foire de Paris. Chaque année, j'essaie d'avoir des nouveaux adeptes parce qu'on me dit que mes produits deviennent comme une addiction. Donc c'est bien. Alors, je remercie ces dames hein, qui sont passées. On a passé un agréable moment. On a bien rigolé. Et là maintenant, bon ben, j'espère qu'elles vont faire de bonnes dégustations avec leurs proches, avec leur famille et pouvoir faire aussi découvrir et à consommer avec modération. Merci Eddy. Ou alors ajouter pour 3 euros, on peut mélanger les choses et les confitures. On peut alors avoir au verre, on a soit du blender, grand et petit. Ça va ? Ou alors on a pu avoir un colada, j'ai vécu 15 ans en Guadeloupe, donc là je reviens voir un peu qu'est-ce qui est présenté et là on cherche des sorbets coco parce que franchement pour le dessert c'est le meilleur truc. Ah ben, hein. Tu vas chez Patujon, chez Féolita, ouais. On va trouver. On va chez Tijan là. Tijan, chez c'est Tijan. À côté de Papa Ouyo. Papa Ouyo, on va y aller là. Papa Ouyo, on va y aller. Là, excellent. Ouais. Tu vas trouver chez Patujon des bonnes glaces. Eh ben on va y aller là, on va déguster okay. Ça tous ensemble là. Et avec les copains. Ouais. Hein? Il parle du PSB. Non. À la belle. Ça, ils vont même. Ok. Merci. Avec les bébés pas molli. Si. Les lentilles, les gens sont super accueillants. La cuisine antillaise, la cuisine créole, c'est exceptionnel. Voilà. Et du coup, on en profite. Vous aimez les boquites, par exemple. Ou alors la morue, les boquites à la morue. Enfin, toute la cuisine antillaise, la cuisine créole, c'est exceptionnel. Les légumes pays. Nous, on est archi fans. Hein, est-ce que vous faites cuisiner chez vous comme ça des fois? Alors non, parce que moi, je cuisine pas, donc je laisse les manches. C'est pour ça qu'on est ici, c'est parce que c'est qu'il y a de la cuisine antillaise. Et que du coup, on profite de la cuisine antillaise. Moi, je ne fais pas de concurrence à la cuisine. Mais vous y allez de temps en temps au pays? On y va tous les ans. Ah, c'est génial alors, ça. Alors, nous, c'est plutôt la Guadeloupe. Ouais. La Guadeloupe, parce que. Je suis un oiseau exotique. À cause des îles. Parce que nous, on est bretons, donc on est très sensibles aux îles. Et qu'en Guadeloupe, il y a aussi plein d'îles. On adore aller aux Saintes, à Marie-Galante. Oui. Si je peux me permettre, vous voyez là cette richesse de l'outre-mer avec l'Hexagone. Ah ben bah, c'est une culture différente. Pour moi c'est de l'enrichissement. Nous avons rappelé la consigne et c'est ce qu'on s'inquiète. Ça fait partie de la fin. Moi, je suis très contente que ce soit français. Tout le monde ne partage pas mon avis. Mais ce sont les juges qui vont déterminer. Pour moi, c'est l'enrichissement. Mais oui, et puis on est content d'avoir des frères bretons venir chez nous parce que j'ai un ami qui a sa famille qui vit en Guadeloupe et il va tous les deux ans, il est très content. Mais la Bretagne et les Antilles sont. On est liés. Bien sûr, voilà. Merci. C'est vrai. Merci. En tout cas, merci. J'ai vu un petit peu trop de. Voilà. Comment ça s'appelle du planteur. Moi, je suis convaincu et nous, on vient au Salon de l'agriculture aussi pour ça, pour soutenir les agriculteurs français. Mais après, on est très sensible à ce qui se passe en Guadeloupe, le Fleur des Cônes. On y va tous les ans, on est sensible à ce qui se passe là-bas. Bien sûr. On soutient toutes les problématiques antillaises et on
Ah ben c'est bien, en tout cas madame, ça fait plaisir de voir qu'il y a des gens qui ont la culture en eux. Parce que quand vous regardez bien, ils sont tous des Français sur terre, ils sont tous des Français sur terre, mais le problème c'est certains ne savent pas. Donc c'est quand même bien. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Hein. Merci à vous. Et puis, bon appétit. Ben, merci, parce que moi, je suis archi fan. Et y a que, y a, enfin, c'est très compliqué de trouver un beau kit à la morue à Paris. Hein. Donc, on vient presque que pour ça. Donc, on vous verra à la foire de Paris aussi, alors. Déjà. Allez, bon appétit. Merci. Merci. Bien le bonjour. Comment ça va? Bah écoutez, très bien, et vous-même? Ben ça va bien. Alors, super. Vous avez déjà fait un petit tour sur le stand de la Maison Fumée? Maison Fumée, médaille d'or donc 2024. Je suis ravi d'être là. Écoutez, je démarre ma journée, enfin ma fin de journée, par ces charmantes personnes qui m'accueillent ici, donc c'est un plaisir. Ah ben c'est parfait. Alors vous venez de quelle région? J'habite Paris, je sors du boulot. Ah! Et donc on vient se détendre. Vous êtes beau comme ça, dis donc. Hein. Bah oui. Wow. Faut être chic au travail, hein, que voulez-vous? Oh là là, ouais, c'est la classe. Hein. Merci beaucoup. Tout le monde le dit, hein. Bah écoutez, je suis là pour ça aussi, hein. Pourquoi pas? En fait, je suis ravi d'être sur ce stand. Eh bien, c'est parfait alors. Eh bien, je vous laisse déguster alors. Mais j'y vais tout de suite. Merci. Merci. Alors, c'est d'abord. T'as vraiment de la chance. Ah ouais, carrément. Ah ouais. Toute dernière. J'ai fait voilà. Je cherchais aussi. Mais c'est savoureux, hein. Oui, c'est savoureux. C'est savoureux. Ah, ben alors ça. We'll be right back.
Est-ce que ça va? Ouais. Travaille à la Julie. C'est bon, va. C'est bien fumé là, hein. Il a très bien fumé. On va passer dans les pubs, on va le mon gars. Bon top. Merci beaucoup. Ok, ok. Alors, un petit mot pour la fin. Dans la presque plus rien. On a beaucoup de succès apparemment. Il ne reste pas grand chose, voilà, il ne reste pas grand chose. Vous avez bien fait ton calcul, hein? Vraiment. Par contre, la prochaine fois, on emmènera plus de la passion fumée. C'est la bouteille qui est partie, on va bien. Il ne faut pas la prendre 250 bouteilles, hein? On va porter au moins 10 000 bouteilles. C'est ça, exact. Voilà. Les épuisures à tomber, quoi. Moi aussi, il y a qui là ou pas, quoi.